que je viens juste de finir l'audit du site internet de Angélique qui avait acheté le template Lalita dans le cadre de la première session de mon site magique et elle m'a autorisé à vous montrer la version avant et la version après. Donc comme je viens juste de finir, je me dis que c'était le moment de vous montrer puisqu'il y en a plusieurs qui voulaient voir des vrais exemples. Eh bien, je vais vous montrer le site d'Angélique avant et après. Donc Angélique, elle est praticienne du bien-être énergétique, elle est énergéticienne pour les chevaux, on va dire, donc elle s'occupe uniquement des chevaux. Elle leur fait des soins énergétiques et puis d'autres choses, du shiatsu et d'autres choses. Et ça, ce que tu vois derrière moi, c'est le site d'Angélique avant. Donc elle avait fait sur e-mon-site. Donc là, tu arrives sur son ancienne page bien-être, hein, d'accueil, pardon. Et donc tu vois, c'est assez basique, qu'on va accepter les cookies comme sur tous les sites. Et donc elle avait fait sur e-mon-site. Alors il faut savoir que c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ben, c'est toi qui as le produit. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Tu vois, quand tu arrives sur e-mon-site, et je te confirme, moi, le site de mon association de yoga, il est fait également sur e-mon-site. Et c'est la même chose. Dès que tu changes de page, tu as le grand bandeau e-mon-site. Parce que quand c'est gratuit, tu sais, c'est toi qui as le produit. Donc voilà ce qui se passe. Donc tu arrives sur une autre page. Tu arrives là-dessus. Voilà. Donc, je te montre avant comment c'était. Ça, tu vas pouvoir apprécier la différence avec après. Donc, ces différents onglets. Voilà, donc tu vois, le bandeau se remet encore une fois. Et en plus, en bas, il y a de la publicité avec des sponsors. Donc, ils n'ont rien à voir, évidemment, son domaine de compétence qui est l'énergétique. Sinon, ça sera encore pas trop grave. Des sponsors, là, on ne le voit pas, mais ça va s'afficher tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà, tu vois ces différentes pages, je te montre toutes ces pages et après on va passer sur ce qu'elle vient de faire. Donc toi en bas, tu as justement la pub, un bandeau que tu ne peux pas enlever à part en cliquant. Sur l'agenda culturel, enfin une pub en fait, voilà. Et puis ces différentes pages. Voilà. Ça c'est vraiment énervant, rien que ça déjà, pas possible quoi. Voilà. Tu vois, donc les différents onglets. Donc ça c'était le site d'Angélique avant qu'elle rejoigne mon site magique. Qu'elle choisisse Lalita. Et donc tu vas voir, puisque beaucoup d'entre vous me dites, mais je vais avoir le même site que tout le monde. Donc tu peux aller voir Lalita et comparer avec ce qu'a fait Angélique. Tu vas voir la différence. Peut-être que je peux te mettre Lalita, peut-être pour te montrer. Je vais comparer. Mais je vais faire ça. Je vais montrer Lalita et après je vais te montrer le site d'Angélique, ce qu'elle en a fait. Donc voilà, je te remontre Lalita. Je te remontre Lalita donc, pour te rafraîchir. Donc voilà. Le template que Angélique a acheté, donc Lalita, tu vois, avec la grande bannière, les petites palmes, voilà, toutes les photos, donc pour que tu l'aies bien en tête. Voilà, et puis les autres pages, bon, peut-être la page à propos, pourquoi pas. Voilà, et tu vas voir comment c'est très facile, hein. Parce qu'Angélique, elle n'est pas plus web designer que toi, hein, de le personnaliser pour faire quelque chose avec ses couleurs, ses polices et son univers. Tu vas voir qu'Angélique, elle a un univers visuel qui est très fort, donc elle travaille avec des chevaux, hein, qui n'a rien à voir avec ce que tu vois ici dans Lalita. Donc, je vais te montrer tout de suite. Et voici. Voici donc ce qu'en a fait Angélique. Donc tu vois au niveau des couleurs, des polices et du ressenti, on n'est pas du tout dans la même chose. Donc elle a gardé la grande galerie défilante, mais elle a mis des photos qu'elle a retouchées pour donner avec des filtres la bonne couleur. Et elles sont vraiment magnifiques ces photos. C'est que des photos qu'elle a trouvées, enfin, essentiellement des photos qu'elle a trouvées dans des banques libres de droit que je te recommande, et aussi des photos qu'elle avait faites elle. Donc elle est OK au niveau de ça. Puis tu vois. Elle s'est bien appropriée, totalement appropriée le template pour en faire quelque chose qui est vraiment très joli. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Là, les témoignages, son cadeau gratuit, son fil Instagram. Et puis on va aller voir les autres pages. Parce que franchement, c'est vraiment, elle a fait du très très bon travail. Donc je vais demander l'autorisation de te le montrer, me la donner. Elle vous dit, si moi je peux y arriver, tu peux y arriver aussi. Voilà, c'est le message qu'elle m'a demandé de vous passer. Hein. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Et que la numérologie, même si elle avait déjà défini son client cœur, la numérologie l'a vraiment aidée. Alors les mots qu'elle m'a dit, c'était que ça lui a aidé à s'autoriser à mettre des choses qu'elle ne s'autorisait pas à faire, en fait.
notamment dans sa phrase magique, comment la façon dont elle se présentait. Donc voilà sa page à propos, tu vois comment elle se présente. Et puis, ses différents accompagnements. Je vais t'en montrer un. Donc elle a utilisé la page de vente que je vous propose, le modèle de page de vente, et elle a complètement personnalisé encore pour faire... Ça va arriver. Voilà, ça c'est un de ses programmes. Elle a différents programmes qui sont adaptés à différentes problématiques de ses chevaux, des chevaux qu'elle soigne, ou des maîtres d'ailleurs. Voilà. Tu vois? Donc elle a adapté la page de vente. Voilà, donc c'est un vrai exemple. Donc elles n'ont pas toutes finies. C'est pour ça que je ne peux pas te montrer d'autres sites qui sont finis, en tout cas en live, hein, parce que j'ai mis des copies d'écran de là où elles en étaient, mais elles n'ont pas toutes finies parce qu'il reste encore un mois dans l'accompagnement à mon site magique. Donc elles avancent, mais en tout cas Angélique avait fini, elle m'a autorisé à te montrer. Donc voilà le message donc d'Angélique et de moi, c'est que oui, c'est possible, tu peux complètement changer, tu peux complètement modifier pour le mettre à ton image, pour t'approprier ta marque, ton identité visuelle et faire quelque chose de vraiment joli facilement. Et si Angélique a réussi, eh bien avec mon aide, tu le peux aussi. Donc si tu as des questions encore, si tu hésites, eh bien n'hésite pas, tu as encore jusqu'à demain minuit pour rejoindre mon site magique. Il reste encore quelques places, mais de moins en moins, puisqu'il y a déjà 7 personnes qui ont rejoint mon site magique.